sais pas si vous voyez le l'arc-en-ciel. Vous voyez l'arc-en-ciel là? Enfin, un début. Il est en train de partir. Et le chant des mouettes. Vous entendez? Bon, ça va déjà mieux. Le balcon là-bas c'est pas fait. Et là c'est fait. Je fais un peu au vinaigre blanc. Et à l'eau. Voilà, j'en profite qu'il pleut comme ça. Ça inonde pas les voisins. Enfin, voilà. C'est un magnifique temps. Il pleut, il pleut, il pleut. Ça va faire 3 ans que je l'ai, cette orchidée, et chaque année elle refait des fleurs. Voilà, donc elle est dans un grand pot comme ça à la lumière, parce que les racines faut qu'elles soient à la lumière. Donc elle a l'air de se plaire, hein. Voilà, d'autres fleurs ici qui vont sortir. Elle est super belle. Le fort, j'ai retrouvé 2 boîtes. Regardez comme elles sont trop belles. Je les avais achetées chez Centre Accord. Donc je vais mettre tout le matériel de scrap et les trucs pour les attrape-rêves aussi. Du coup, je suis allée chercher le matériel que j'avais mis à droite et à gauche. Donc ça, c'est un attrape-rêve que m'a offert une maman. Il est trop beau. Donc je vais le ranger. Je l'avais mis dans ma chambre, mais là j'ai envie de le ranger un peu. Donc voilà. Ça c'est un sac que j'ai récupéré. Pour le scrap, peut-être que ça pourra me servir. On récup. Ça aussi de chez L'Occitane, des petits crackers comme ça, qui pourront me resservir sûrement peut-être pour le scrap. Sont trop beaux, et du papier étoile comme ça qui pourra me servir aussi. Donc là c'est tout mon matériel, on va dire, pour les attrape-rêves, tout ça avec des perles, voilà, différentes pelotes de laine. Ça du coup je vais le mettre dans la boîte à scrap. Voilà, je les ai bien aplatis. Voilà, colle, vernis, ruban, scotch, un petit crayon. Il faudrait que j'achète des ciseaux exprès pour le scrap. Voilà, des ciseaux plus fins. J'ai trouvé ça chez Zeman hier. C'est trop joli. 89 centimes. Et ce petit carnet. Voilà. 99 centimes. Il y a des... super joli. C'est pour attacher normalement au papier cadeau, vous savez. Donc tout est rentré dans cette boîte. Donc c'est chouette. Voilà, l'escalier. C'est bien rangé. Et en moins le quart, il est temps que je mange. Je vais faire une omelette aux oignons.
soleil est revenu, mais il y a quand même encore pas mal de nuages. Voilà. Alors si vous voulez qu'elle ne sèche pas trop, il faut la mettre à feu doux au début. Voilà, j'ai trouvé qu'elle séchait moins. Je la mettais sur 4. Que si je la mets trop forte, voilà, ça, c'est moins bien. Et voilà ma petite omelette. Donc je vous laisse, je vais la manger avec mon petit pot de crème la laitière. Voilà. À tout à l'heure. Elle est super bonne. Elle est bien un petit peu baveuse et voilà, pas trop cuite. Très bonne.